La première fois que j'ai vu un film de Steven Spielberg au cinéma, c'était Le Monde Perdu. Un mercredi après-midi avec des amis d'école. Jurassic Park, premier du nom, je l'ai découvert en VHS. Les Jurassic Park, je les regardais en boucle quand j'étais petit. Depuis, les films d'aventure occupent une place particulière dans mon univers cinématographique. Quel enfant n'a jamais rêvé d'être Indiana Jones, d'héberger de gentils extraterrestres, de visiter un parc avec des dinosaures ou encore de prévoir l'avenir? Steven Spielberg réalise ses rêves. Il nous fait vivre des aventures par procuration. On peut aussi parler des films plus intimistes de Spielberg, mais d'autres personnes le feront mieux que moi. Je suis plus attaché au cinéma d'aventure de Spielberg qu'à ses films politiques ou historiques, même si certains sont des incontournables. Bref, venons-en à Ready Player One. Pour faire simple, j'aime ce film. Il regroupe toutes mes passions. Le cinéma, les jeux vidéo, les nouvelles technologies, l'aventure. Même s'il est vrai qu'il n'est pas sans défaut, la faute à un scénario assez pauvre dans le côté réel de l'histoire. Et c'est pour ça que je sais que le film ne peut pas plaire à tout le monde. Si en tant que fan des films d'aventure de Spielberg ou de jeux vidéo, cette aventure bourrée de références me parle, elle ne parlera pas à tout le monde. Le film vise un public ciblé. Mais c'est aussi ça le cinéma. Oser faire des films qui ne plaisent pas à tout le monde, prendre le risque qu'une partie de la population ne s'intéresse au film. Ready Player One est un hommage aux jeux vidéo et au cinéma des années 80 à aujourd'hui. On y retrouve des références comme King Kong, Spawn, Halo, Terminator et des centaines d'autres. Et il est évident que le film a beaucoup moins d'intérêt si on ne comprend pas toutes ces références. Après, pour être objectif, oui, le film tombe dans certains clichés que Spielberg aurait pu contourner. L'histoire d'amour mielleuse ou le méchant qui n'est là que pour être méchant, par exemple. Pour moi, le film parfait n'existe pas. Même Jurassic Park, un film devenu culte, n'est pas sans défaut. Des raccourcis scénaristiques, des faux raccords, il y en avait aussi. Alors oui, Ready Player One n'est pas parfait, mais j'aime ce film. Et je suis sûr qu'au même titre qu'un Jurassic Park ou un Indiana Jones, le film perdurera dans le temps.